En bordure d'une nationale, nous avons emprunté une splendide et petite route bordée de nature, soutenue par des murets généralement terminés par des pierres de taille. Cachée au milieu d'énormes pins, une forteresse du XIIe siècle, un très vaste ensemble en forme de quadrilatère, flanqué de quatre tours massives. Sa construction a été remaniée plusieurs fois au cours des siècles, particulièrement au temps de la Renaissance et après la Révolution. Le donjon de cette forteresse médiévale était dit tour de bonne garde, surmonté d'une tourelle percée de quatre ouvertures. L'éclat des façades, teinté par la chaleur du soleil, les murailles immaculées, coiffées d'une aureole de vapeur jaune, se donnent aux heures les plus douces du soleil et constituent un défi au temps. Construit dans le prolongement et jouxtant cette forteresse, plusieurs dépendances couvertes de tuiles rondes. Un hameau de vieille bâtisse en pierre sèche, couverte d'un voile jaunâtre, se suspendant au bleu du ciel et cultivant une certaine douceur de vivre et un profond sentiment de sérénité autour de son château. Le hameau de Pondre, sur la commune de Villevieille, assis au pied des Cévennes, et à 30 km de la mer Méditerranée, une quinzaine d'habitants, un lieu surtout ancré dans une région viticole. Mais il y a une vingtaine d'années de ça, des manifestations s'y sont déroulées, qui rassemblaient de nombreuses personnes en soif de fête. 15 ans plus tard, qu'en reste-t-il ? Nous avons rencontré les personnes responsables à l'origine de ces organisations. Séquence émotion. Oui, il y a déjà 30 ans, nous étions une douzaine de copains infatigables et festigeurs. Vu certaines interdictions de la fête de Saumur, exemple, horaire matinal réduite, interdiction de griller la saucisse à la place du marché, interdiction également sur les berges du Vidourle, ne plus pouvoir faire l'apéro sur les quais, s'amuser avec toute liberté, nous décidons de prolonger nos désirs à Pondre. Alain Dumont donne l'accord pour céder son petit terrain pour poursuivre cette superbe ambiance. Camping autorisé, sono au max des décibels, liquide à volonté, casse-croûte et le réveil au chant du coq, pas trop matinal car il passait de mauvaises nuits. Nous avons préfabriqué une arène en charrette, en bidon, planche, palette, etc. etc. Fait l'acquisition d'une vachette qui s'appelait Désirée. Et il fallait une navette pour le parcours Saumur-Pondre. Et voilà que deux 404 et spécial transport en commun, vu que la famille s'était agrandie, nous étions environ 15 par véhicule. Celle-ci était assurée avec le bon cœur de notre assureur. Je signale que malgré la fatigue et le taux de liquide de tradition, rien ne nous arriva. Tout était calculé et fait sérieusement. La fête de Saumur terminée, nous invitons toutes les bandes, environ 200 joyeux. Certains se rappellent du bachouchage fait avec plaisir par Désiré, notre vachette superbe. Alain, initiateur avec Pascal, Florent, Liliane, Raymond, Bernard et moi-même, nous voilà inscrits au journal officiel pour la fête de Pentecôte. C'était parti.
Formalités préfectorales, mairie, gendarmerie, transfert de licence 4. Nous n'avions pas oublié les 25 mètres du bar et faire le plein de vitamines liquides. Quand on faisait la brinque, on était gamin, on avait 14 ans, et on allait dans les fêtes votives, alors comme dans toutes les fêtes votives, ils allaient voir l'orchestre, et puis ils disaient la fête de Salinelle, telle date, la fête. Et nous, pour rigoler, on disait la fête de Pomme, telle date, et c'était pas vrai, c'était pour faire. Et puis un jour, on s'est vu, on a dit chiche, on le fait. Et on a démarré comme ça. Et moi je dis, fallait le faire d'abord, hein, parce que les premières années, il n'y avait pas de licence, il fallait se mouiller. Quand on a démarré véritablement la fête, c'était surtout un noyau d'amis et ça s'est fait un petit peu, on va dire même beaucoup à l'improviste, puisqu'il y en a même qui ne savaient même pas s'ils seraient payés à la fin de la fête, Manadier et Sono en particulier. Et donc on a lancé une idée comme ça, on a lancé deux jours de fête, puis ça a bien marché. On avait fait un truc chiche, on peut le faire, on était une bande de copains, et on a démarré comme ça, puis après bon, il y en a qui ont pris le train en marche. On était que cinq à pondre. Pouh. Et donc, c'était parti comme ça, quoi. Donc après, on a amplifié un petit peu le mouvement. J'avais apprécié le geste de Freddy Clément, qui était venu me voir et qui avait dit « Bon, mais les jeunes, vous démarrez, vous n'avez pas de rond. » Non, logiquement, c'est ça, c'était le prix. Mais bon, si ça ne marche pas, vous me donnerez ce que vous pourrez. Et puis finalement, on y a donné encore plus que ce qu'il espérait.
Il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus se greffer avec nous. Les premières années, on n'avait pas trop de boulot derrière le bar, parce qu'il n'y avait pas full full. Mais... C'est-à-dire qu'on organisait la fête, mais on la faisait aussi. On faisait des départs de longue, qui partaient de la piste de crosse. Et bien souvent ça échappait. On allait chercher les taureaux, des fois sur la nationale, des fois dans les vignes, des fois dans les bois. Elle partait de là où habite Clément Flore, elle traversait les parkings du motoclub, mais qui appartiennent au motoclub, et puis on prenait la grande vigne. Ouais. C'était les premières à Brivadolong, c'était surtout le truc de prendre le tracteur et la charrette, de charger du monde derrière, et puis de suivre l'arrivée, de la filmer. Après, surtout, c'était les taureaux qui primaient. Des bandidos de nuit. Presque avec la lampe électrique, on était obligé de les faire. Les premières abrivades de nuit qu'on a fait avec les mangues, à minuit, il n'y avait pas de lumière. Alors Clément, en bas de la descente, là, il bandissait ses quatre taureaux. Et il n'y a aucun manager qui voudrait faire ça. Hein. Ce truc, ça revient tout le temps parce que c'est rigolo, parce que ça s'est très bien passé, mais ça aurait pu terminer par un drame. Petit truc pour remercier tous les gens qui ont participé et qui ont aidé pour la fête.
Et il y a Clément ce jour-là qui arrive et qui me dit, Freddy Clément me dit, je vous offre une abrivado. Et ce jour-là, ça a échappé de partout. Il y a un taureau qui a traversé Sommières, ils l'ont arrêté là-bas sur la route d'Aubé. Pas une égratignure, rien, on s'en sort d'une belle là. On avait innové également en faisant l'abrivade des raseteurs, ce qui se faisait nulle part. Je veux dire, je crois qu'on a été les premiers à lancer cette mode. Il y avait Ferrand qui était premier au trophée des As, il y avait Tognetti, il y avait Moral, il y avait Panafieux, il y avait Girard, il y avait Jacques Oubidot, il y avait Jacques Roumajon, il y avait Raymond Siméon. Donc on avait Morad, Ferrand, Panafieux, je ne sais plus trop qui encore, qui venait faire la brivade des raseteurs. La brivade des raseteurs aussi, qui avait été une innovation pour les fêtes de Pont-Noir. Et puis on a lancé aussi les premiers concours d'arrivée, je crois que c'était Asper qui avait lancé l'idée, mais enfin, on s'était fait piquer le projet par Vauvert, parce qu'on avait trop parlé à Méjean chez Ricard là-bas, sinon je pense que les premiers ça c'était Asper et puis c'était pour nous les seconds. C'est à Pont-Noir qu'on débuté les tout premiers concours d'arrivée. Vous approchez devant et Florent va vous faire tirer le papier pour savoir dans quelle position vous allez partir. Et ça a échappé, il y avait des taureaux partout. La luzerne, la grande luzerne de Pont-Noir, eh bien, pour ramasser la graine, c'était difficile. Call.
Les Anciros. Bon, le parcours n'était pas spectaculaire, mais bon, ça attirait toujours les inconditionnels. On a eu quelques bonnes rigolades quand même avec des insolites, en particulier au niveau du poulailler. Petit jardin, là. On avait mis des cordes et des pneus, là. Les mecs ils se baladissaient, après c'était tout le monde se régalait. Le bar, et bien sûr, on l'avait aménagé de façon de pouvoir recevoir beaucoup de personnes, beaucoup d'assoiffés. D'ailleurs, le bar, il faisait au moins 42 mètres de long, on était 20 à servir. Tout était organisé. Tout était bien presque orchestré pour que tout se déroule comme il faut. Les apéritifs, le comptoir, c'était sur 3-4 rangs qu'on était et il y a des bons apéritifs. Les repas étaient organisés par tout un groupe de personnes. Les achats étaient faits bien à l'avance d'ailleurs. Et on mettait toujours des repas un peu spécifiques pour pas non plus toujours manger la même chose, parce que souvent on retombe dans les gardianes ou les choses comme ça, ou paella. Enfin. Nous faisions des repas pendant le moment de la fête. C'est les femmes qui s'occupaient de ça, qui nous soignaient très bien. On mangeait tous ensemble, là, c'était vraiment une 3 jours de fête complète où vraiment c'était très agréable de se retrouver tous ensemble. À la fin de l'année, nous faisions un repas pour nous remercier personnellement. Voilà. Il est vraiment fait.
Jacques Curteau, oui, Jacques Curteau, un phénomène. Un phénomène. Il y a eu plusieurs fois des courses à pied, on avait organisé avec des enfants. Des courses à pied, des courses de VTT. C'est parti, voilà. Donc. Ouais. Donc, troisième série du prochain petit, petit, grosse manette. Hein. Sinon, tu vas. Oui, le manque comme venir. Vos numéros, s'il vous plaît. C'est le 6. Il approche. Tu déconnes, Sabine. Une course de VTT, qu'on tâchait moyen de faire un petit peu de bénéfice. Allez, Gilo ! Une zone de trial avec Didier Hussoguio, qui à ce moment-là était pas loin d'être champion de France. Contrat, on va dire, avec Michel Chaud qui avait fait énormément avec nous et qui malheureusement n'étant plus là. Michel Chaud, eh bien, il est parti trop vite. Hein. Les sonos, on a toujours eu un peu une bonne main, enfin, Alain en particulier a toujours eu la bonne main là-dessus parce qu'il avait toujours trouvé des personnes qui étaient vraiment très efficaces au niveau des animations. Il y a Michel Chaud qui a commencé à pondre, qui s'est fait connaître à pondre. Bonjour à toutes et à tous, une excellente fête 1987 en direct de Bourne. C'était, moi je m'en rappelle, et c'était un peu, lui chaque année je sais qu'il adorait cette fête. Alors Michel Sceau c'était notre sono
Et ce gars, il était doué pour ça, il savait y faire. Nous, on avait opté pour la sono parce que bon, on était plus sur l'actualité musicale du moment, donc les jeunes étaient beaucoup plus attirés par ça. Il y avait le Crazy Horse qui venait de Nice. Des charmantes jeunes dames dévêtues ou presque. Qui avait été organisé par Roger d'ailleurs. Hein, bon, il tenait absolument à voir ces spectacles qui avaient amené un monde fou, extraordinaire. Mais aussi qui avait eu un gros succès, hein, faut reconnaître. Hein. Ça attirait du monde parce que c'était encore quelque chose de particulier. Et les Porsche qui étaient venus, comme Roger faisait partie du club Porsche. Ça sortait de l'ordinaire, c'était fait par des personnes de pont en plus. Half past ten. For the first time in history.
récompenser tout le monde. Oui, on a fait des sorties où on a été au carnaval de Nice, la fête des citrons. Tous les ans, le Noël pour les enfants avec de très beaux cadeaux. Life is a short trip, the music's for the sack men. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madmen. On a toujours essayé d'avoir des choix très, très divers dans tous les spectacles, même éventuellement qu'on faisait, pour avoir une diversité. Une fête, disons, vraiment, au château de Pondre, c'était très familial. Il y avait une bonne équipe qui s'en occupait. Ah ben, au niveau de la fête, je crois que les gens ont été énormément surpris par le cadre. Parce qu'on avait l'habitude plus ou moins de faire la fête dans des villages. Ils arrivaient à Pondre sur un endroit qui était très découvert, très campagne, très peu d'habitations. Puis ça a pris de l'ampleur et puis après le monde ne savait plus où le mettre. Ça avait attiré beaucoup de monde. Même qu'à la fin, il a fallu arrêter parce que ça devenait un peu trop chaud. Moi, j'ai des amis qui venaient du côté de Lunel, Lansargues, tout ça, qui me disent la seule fête du coin où on venait, c'était Pondre, parce qu'ils avaient un truc assez unique au niveau du cadre et au niveau des animations. Des gens qui étaient soucieux de savoir ce qu'on faisait dans un tout petit hameau de quelques habitants, parce qu'en plus, c'était tellement petit qu'en définitif, les gens se demandaient ce qu'il pouvait y avoir ou attirer autant de monde. Mais il y avait une sacrée bande de copains.
et qui ont fait de ça la fête de Pondre. Quoi. Ça ne se fait pas avec deux personnes. La fête de Pondre, au départ, je pense que c'est une histoire d'amitié, surtout. Je dis tout simplement, bande de copains, bringue. Qu'à nous amuser, nous pensions qu'à faire la fête, une vraie fête, voilà. C'est des souvenirs qui sont inoubliables. Une ambiance et très bonne convivialité entre tous les dirigeants et ceux qui s'en occupaient. Je garde un très bon souvenir parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas vu aucun endroit où on s'est amusé autant qu'après moi. Que j'en ai beaucoup de souvenirs, de choses qui m'ont marqué le plus. Ah, un très 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 bon souvenir des fêtes de Pondre. Le bon souvenir, c'est qu'on a commencé la fête, et le mauvais, c'est qu'on l'a plus fait. Michel Chaud, qui nous a quittés, qui n'est plus là. Et je pense notamment à René Paul aussi qui est parti. Christian Salem, baleine, pêcheur qui est parti aussi. Voilà. Je vous embrasse tous. Merci et à bientôt.1976-2006, 30 ans. Si un jour vous passez sur cette nationale, n'oubliez pas d'emprunter cette petite route bordée de nature et remplie de souvenirs.